Voilà, de retour sur la libre antenne pour cette dernière partie, toujours avec Jean Pernin, toujours concernant cette affaire Balavoine, un de ces meurtres, accident mystère. Allez, je vais faire mon complotiste de base, je parlerai d'accident mystère pour ne pas troubler les âmes sensibles. Mais en tout cas, tu nous as donc amené vraiment des éléments incroyables sur, voilà, on voit bien qu'il y a un problème quand même avec cette affaire, ne serait-ce que, comme tu dis, dans un travail normal, on demanderait à tous ces gens, tous ces témoins contradictoires, de se confronter pour savoir absolument qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi quelqu'un affirme d'un côté « je suis venu 3 heures après pour déclarer le sinistre », ce qui semble absolument aberrant, hein, entre nous soit dit. Ridicule. Je vois un accident d'hélicoptère, je fais partie de la même organisation en lien avec cet hélicoptère, je vais attendre 3 heures avant de déclarer l'accident, alors qu'il y a probablement des morts, etc. Enfin, bon, ça paraît quand même absolument incroyable. C'est totalement ridicule, c'est complètement fantaisiste, complètement invraisemblable. Invraisemblable. Dire, c'est horrible d'ailleurs d'entendre une chose pareille. Ouais. Effectivement, il va falloir confronter Madame Albina Dubois-Rouvray, Monsieur Belvez et Monsieur Giraud. Parce qu'ils ont vraiment des versions différentes. À un moment donné, il faut que... Monsieur Giraud, Monsieur Belvez ne sont déjà pas d'accord entre eux. Alors qu'ils étaient dans la même voiture. Ils étaient dans la même voiture. Ils ne parlent pas du tout de la même chose. Il y en a un qui dit j'ai vu des morts, l'autre absolument, dit j'ai rien vu. Absolument, l'autre dit jamais. Et puis l'autre, son diagnostic, il est clair. Il dit il y a 5 morts. Hein. Ils sont morts. Alors en plus... Ils sont tous morts. J'ai envie de dire, aussi, bizarrerie. Alors, vous voyez, c'est mon côté complotiste aussi, mais... Comment se fait-il qu'on parle de corps en arc de cercle? Ah, ça c'est un peu mise en scène, ça. Parce que sincèrement, ouais. Un hélicoptère qui va laisser écraser à 200 km/h, bon, déjà, ce qui doit rester des corps, ça doit pas être trop reluisant à voir ou ragoûtant, mais alors, en plus de ça, absolument. Si on nous explique qu'ils se sont retrouvés miraculeusement alignés en arc de cercle, là, ça tient de la magie, j'ai envie de dire. Oui, c'est la magie, mais bon, tout est possible. Hein. Oui, enfin bon. Dans des limites quand même, hein, quand ouais. même. Hein. Parce qu'en plus, jusqu'à la mort, parce que, je veux dire, même le cercueil de Balavoine, il y a eu un problème. Le cercueil, là, on va en parler. Alors là, on revient au message de l'au-delà. Oui. Alors, bon, Christine, qui est une amie qui nous regarde toujours. Bonsoir, Christine. En 2004, elle est venue à moi en 2004, parce qu'elle est très attachée à cette affaire. Elle a elle-même fait une démarche. Et donc, bon, voilà. Un jour, je lui dis, Christine, vous avez un attachement très fort avec Daniel, vous devriez essayer peut-être de recevoir des messages par l'écriture automatique. Ça, c'est une méthode de communication avec l'au-delà qui existe. Hein. Mm-hmm. Et alors, en effet, donc, elle reçoit un message. Alors, bon, c'était pas très clair les messages, mais quand même, elle reçoit un message où lui disait le cercueil est vide, le tombeau est vide, le cercueil est vide, mon corps est ailleurs. Alors bon, et sans arrêt, il lui disait, il lui écrivait la même chose. Alors de façon très lisible, mais enfin assez lisible tout de même, hein, c'est dans le livre. Hein. Il y a un extrait d'écriture automatique. Alors ça, ce sont des messages. Alors là aussi, on aime bien avoir des confirmations. Bon, il se trouve que quelques temps après, une personne me contacte, une personne du Sud-Ouest, de Pau précisément. Daniel Balavoine était de Pau. Hein. Mmh. Et donc... me dit, écoutez, voilà, j'ai lu vos messages sur Internet et je connais très bien un des porteurs de cercueil de Daniel Balavoine. Et il m'a dit qu'il y avait du sable dans le cercueil. Je dis, ah bon, comment? Et oui, donc elle me dit, voilà, il s'appelle comme ça. Bon, alors, je me mets en relation avec ce monsieur, facile à trouver, hein, graveur sur marbre à Biarritz. Et puis, lui, qu'est-ce qu'il m'a dit au téléphone? Il m'a dit effectivement que... Ben, quand ils ont porté le cercueil, il était très léger. Hein, il me dit qu'il n'y avait pas de poids. Voilà ce qu'il m'a dit, il n'y avait pas de poids. Bon, Daniel Balavoine pesait, on va le dire sans trop se tromper, en gros 75 kilos. C'est quand même bien en chair. Je crois qu'il mesurait 75, mais bon. Voilà, donc... alors, quand on trouve des corps intacts, je veux dire, s'il a 75 kilos dans un cercueil, c'est pas léger. On est d'accord. Mais lui, il a dit, il n'y avait pas de poids. De plus, quand il est descendu au caveau, que ses collègues ont incliné ce cercueil, là, c'est là qu'il a entendu du sable couler dans le cercueil. Il a entendu du sable se déverser, comme c'est dit dans le... Couler, descendre. Donc, évidemment, la question du cercueil vide
est importante. Alors, j'ai également eu un message par rapport à ça, confirmant que, en effet, le corps de Daniel était toujours au Mali, était resté au Mali, mais il n'y a aucun mystère. En fait, c'est tout simplement parce que ça faisait partie de ses volontés, de ses dernières volontés. À lui, il n'y a pas de lien avec, a priori, il n'y a pas de lien avec cet accident, enfin cet attentat, cet accident, appelons ça comme on voudra. Manifestement, ce sont deux éléments différents. Sauf que la question qui se pose aussi, c'est, un diplomate nous dit, il y a des survivants. On m'appelle pour me demander si je connais un hôpital pour accueillir des blessés. Il y a des survivants. Bon, ces survivants ne survivent pas. S'ils ne survivent pas, on les a forcément liquidés. Comment ? Ben, on les a sûrement pas empoisonnés ou gazés. Ouais, il y avait des... Pas de problème. Il y avait des armes à feu sur le site. Ouais. Donc s'il n'y a pas de survivants, forcément, on les... voilà. Bon, c'est clair. Alors, est-ce que Daniel Balavoine faisait partie des survivants ? Est-ce que... Qui étaient les survivants ? Bon... Parce que ça veut dire quoi, en gros ? Si on avait autopsié son corps, on aurait pu retrouver des passes de balles, certainement. Des choses gênantes comme ça. Parce que ça peut être gênant quand même, trouver des passes de balles pour une mort d'hélicoptère. Ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire ça. Pourquoi la mère du pilote ? On nous a dit aussi qu'il y aurait eu des piqûres de serpents. On aurait retrouvé dans le désert de la gaz. Alors, c'est bas. Alors, il y a du ça, il y a du vent, mais enfin, on retrouve quand même les morceaux de gaz. Tu vois, les morceaux de gaz, sûr, les pansements. Gaz, les pansements. Tu vois, on les retrouve sur le sable, hein, c'est formidable. On retrouve tout sur le sable. Du pansement, on les retrouve sur le sable. Alors qu'il y a soi-disant du vent. Du vent. Franchement, s'il y a une tempête de sable, on retrouve rien. Parce qu'il n'y a eu aucune autopsie dans cette affaire. Il aurait eu, mais enfin, si le médecin. Bon. Alors. La mère du pilote, c'est intéressant. Ça fait partie aussi de l'article, de son interview. Dire c'est dans le livre, où elle dit que quand elle a voulu voir le corps de son fils, où on lui a dit qu'il y aurait eu, soi-disant, des piqûres de serpent. Sauf que quand elle a voulu voir le corps de son fils à la mort de Bamako, elle s'est heurtée à l'indifférence prostrée du gardien qui n'a pas voulu. Montrer le corps, elle n'a pas vu le corps de son fils, Albina du Bois-Rouvray. Elle s'est heurtée, elle le dit, à une indifférence prostrée. Madame, non. Alors, voir le corps de son fils, on le lui interdit. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que peut-être. Parce qu'il y avait des piqûres. Parce qu'il y avait des piqûres de serpent ? Enfin, ou est-ce qu'il y avait autre chose ? Je pose simplement la question. Les serpents qui mordent les morts en plus. Voilà, donc je pose simplement la question. Donc voilà, il y a quand même des énormités, quoi. Hein. Il y a quand même des énormités. Donc, survivant, qui, bon, je sais, enfin, on m'a dit que qui était survivant. Maintenant, survivant, il n'y en a pas eu, puisque, bon, à la sortie, tout le monde est mort, évidemment. Mais évidemment, comme tu le dis toi-même, en imaginant que Daniel Balavoine fasse partie des survivants, et qu'on l'achève, il faut quand même utiliser le terme qui convient, qu'on l'achève à coup de fusil ou à coup de pistolet, bah oui, une autopsie aurait pu révéler sans problème des traces d'autre chose que des piqûres de serpent. La même chose pour le pilote, en supposant qu'il ait subi le même sort, en supposant, on n'en sait rien, peut-être que oui, c'est probable, c'est possible. Voilà. Donc il y a quand même là aussi une grosse interrogation, une grosse énigme à voir ça. Voilà, donc les corps sont revenus dans des cercueils blindés. Donc que nous dit, donc qui a été interviewé par Christine d'ailleurs, le porteur de cercueil, ben, lui nous dit que ce sont les fans qui entretiennent la tombe. Lui qui est très souvent au cimetière, dit que qu'il voit quasiment jamais ou jamais la famille, quoi. Il voit jamais la famille. Les gens de la famille ne viennent pas là. Alors les gens de la famille ne viennent pas, donc la tombe est entretenue par des fans du chanteur. Alors si la famille ne vient pas là, ça sous-entend quoi ? Que la famille sait que ce cercueil est vide, que ce tombeau est vide ? On peut aussi se poser cette question. Maintenant, la meilleure réponse à cette question, c'est quoi ? C'est l'exhumation. Ouais.
Évidemment. Donc l'exhumation, bah, l'exhumation, elle relève de la décision... D'un juge. Bah, d'un juge et de la famille. Et de la famille. Voilà. Donc qui un jour décidera de, bah, d'exhumer peut-être en effet ce cercueil, en tout cas ce qu'il en reste. En 30 ans, il ne doit plus rester grand-chose. Pour effectivement voir s'il y a quelque chose là. Que reste-t-il dans ce lieu? Donc c'est une énigme supplémentaire qui vient quand même se greffer sur cet accident, qui nous fait nous poser des questions, celles qu'on s'est posées à l'instant. Voilà, donc tout ça, ça pose question, ça pose problème. Alors je vais prendre un petit peu des questions. Alors, il y a pas mal de questions, comme je le pensais, qui ont été répondues au cours de l'entretien. Bien sûr, on oui. parlait évidemment de l'hélicoptère, des photos publiées qui ne représenteraient pas le vrai hélicoptère, des 24 heures de différence, etc. Bah, tout ça, c'est des sujets que nous avons abordés déjà. Hein, on nous parle, effectivement, on met toujours en lien, en perspective, la mort de Coluche, la mort de Balavoine, de Le Luron, etc. Bon. Alors bon, moi je ne vais pas me prononcer pour Coluche, oui, oui. Je ne me prononcerai pas non plus pour le Luron. Les informations que j'ai eues et l'enquête que j'ai faite, et à laquelle ont participé quand même des amis qui m'ont aidé dans cette démarche, ne concernent que Daniel Balavoine. Maintenant, la question qui se pose, c'est, et ça c'est un message d'au-delà, quand l'affaire Balavoine aura éclaté, d'ailleurs, lui-même suggère à un metteur en scène de faire un film, hein, Daniel Balavoine, dans un message, il y aura un super film à faire. Hein. Ah là, oui. Ah oui, super. Hein. Ça dépend qui est le réalisateur. Voilà. Mais donc, il y aura un super film à faire. Donc, ce que me dit mon fils Olivier, c'est que dès que cette affaire aura éclaté, il y aura, comme il le dit, c'est comme les pétards d'une bande qui éclateront tour à tour, donc il y aura en fait des réactions en chaîne derrière. Donc on verra émerger après d'autres affaires. Alors, est-ce que Coluche a subi le même sort? Je n'ai jamais eu de réponse me concernant par rapport à ça. Il est vrai que j'ai lu le livre Coluche, l'accident quand même, écrit par Antoine Cazubolo, et... Bon, quand on lit ce livre-là, on se pose plus trop de questions quand même. Hein. Voilà. Donc, par contre, j'évoquerai non pas le Luron, oui, le Luron qui emmerdait aussi le pouvoir de l'époque, le pouvoir socialiste, c'est évident. Hein. L'emmerdant, c'est la rose. Hein. On se souvient. Hein. Bien sûr, bien sûr. L'emmerdant, c'est la rose. L'emmerdant, c'est donc, la rose. Par contre, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, c'est Jean-Édouard Allier. Jean-Édouard Allier, tout à fait. Voilà, Jean-Édouard Allier, qui avait publié un brûlot d'ailleurs. International. Voilà, l'honneur perdu de François Mitterrand, qui évidemment, Jean-Édouard Allier a eu les pires ennuis avec les barbouses de Mitterrand, qui l'ont menacé. On l'avait pris pour un fou à l'époque. Oui, absolument. Il s'était fait enlever par des services absolument. De renseignement. Absolument, oui, oui. On avait dit que c'était un fou, etc. Aujourd'hui, oui. Tout ça est confirmé. Oui. Jean-Édouard Allier a bien été enlevé absolument. Par des services absolument. De renseignement. Donc, pourquoi? Parce qu'il allait tout simplement révéler la fille Mitterrand et compagnie. Oui. Voilà, c'était scandaleux. D'ailleurs, c'est un scandale, absolument scandaleux. Effectivement, donc il allait révéler tout ça. Bon, de plus, il n'avait pas du tout, aimé que Mitterrand... Ce qui est quand même dans la mouvance socialiste, Jean-Édouard Allier. De base. Il aurait espéré un fauteuil de ministre de la culture, absolument. Ça, hein. Donc Mitterrand ne le lui a pas donné. Donc du coup, il a voulu se venger en écrivant ce bouquin, L'honneur perdu de François Mitterrand, qu'il a eu du mal à faire publier. Hein. Beaucoup de mal à faire publier. Bon, il faut savoir quand même que quand il est mort, soi-disant d'une espèce de crise cardiaque... C'était à La Baule ou je sais pas où. Non, c'était à Deauville ou je sais plus où. On a retrouvé quand même son coffre-fort pillé. Hein. C'est-à-dire tous les documents compromettants ont été pillés. C'est clair. Hein. Voilà. Donc Jean-Édouard Allier, pour moi, pas trop m'avancer, mais je pense qu'il fait partie du lot. Hein. Et puis après, on peut en ajouter d'autres. On peut en ajouter d'autres. Je pense que quand il nous parle dans l'au-delà de réactions en chaîne, en effet... Quand cette affaire éclatera, et elle éclatera, parce que là, quand même, la médiatisation est importante. Quand je regarde les principales vidéos de l'affaire, aujourd'hui, on est à plus de 320 000 vues, quand même. Moi, je vois bien le courrier que je reçois, les courriels, les mails que je reçois. Il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, qui se mobilisent, qui apportent des témoignages, qui deviennent des experts, en particulier au niveau des hélicoptères. Dire, on est en train d'étaler la tache d'huile.
ça s'étend, ça s'étale, on ne pourra pas l'arrêter. Une tache d'huile, ça ne s'arrête pas. C'est clair et net. Hein. Donc, voilà. Donc, on peut... Attends, mais bon, je ne vais pas me prononcer pour Coluche, ni pour Le Luron. Ni pour Le Luron. Alors, on me dit, cette question aussi à laquelle tu as en partie répondu, d'après vous, quels seraient les commanditaires de l'assassinat de Balavoine et pour quelles raisons? Voilà. Bon, bah, ah, les commanditaires, on l'a dit, hein, c'est clair et net. Hein. Voilà. C'est le pouvoir de l'époque. Hein. Le pouvoir de l'époque et évidemment la personnalité de Daniel Balavoine qui dénonçait. Ah ben considérablement, parce que faut savoir que Daniel Balavoine, donc quand il était intervenu face à Mitterrand, donc on a vu tout à l'heure son intervention. Il lui a coupé sèchement la parole. On a vu quand même qu'il n'a pas aimé l'autre. Hein. Ah, Mitterrand, il est furieux. Ah, mais on ne l'a pas aimé. Hein. Alors, il a essayé, évidemment, de récupérer. Enfin, politicien qu'il était, il s'est dit, tiens, lui, à la veille des élections, il va me ramener des jeunes. Donc, je vais essayer de l'embrigader. D'ailleurs, après, il y a eu le repas avec le fameux juge rouge. Il y avait même Fabius qui était au repas. Mmh. Donc, au repas, effectivement, Mitterrand lui a proposé de chanter dans ses meetings. Alors, Daniel a dû y aller une fois ou deux. Et quand il a vu qu'il s'embarquait dans une affaire où il était piégé, parce que c'est ça, hein, quand tu rentres dans ces systèmes-là, tu es piégé. C'est comme les mafias, tu n'en sors pas. Hein. Donc Daniel, quand il a vu ça, il a dit « Attention, là, je me retire ». Et il s'est retiré, il a bien fait. Et ça, c'est un affront. Dire « C'est un deuxième affront ». Quand on te propose, évidemment, cette exposition alors politique, en plus... Et que lui, d'un seul coup, il se dit « Non, non, mais attends, c'est peut-être des gens de gauche, c'est peut-être des gens de gauche, mais je me retire quand même. Hein, » parce que là, je sens bien que lui, de toute façon, une âme pure comme lui, ne pouvait pas s'embarquer dans un truc pareil. Hein. Faut entrer dans la compromission, hein. Ouais, dans la magouille et compagnie. Donc ça, à mon avis, ça ne lui a pas plu, à Mitterrand. Ça, c'est clair, ça ne lui a pas plu. Après, il a fait quand même sa sortie de 7 sur 7. J'emmerde les anciens combattants, j'emmerde les pouvoirs. Tout ça, c'est de la merde et de la saloperie. Attends, là, il a tapé énormément fort, quoi. Hein. Alors là, c'est sûr qu'il a chauffé sérieusement les oreilles de Mitterrand. Et puis après, il allait amener le trafic d'armes. Alors là, c'était le bouquet, c'était le pompon. Bon, Coluche allait sortir un spectacle au vitriol, parce que lui, il n'a pas digéré les menaces. Socialiste. La balle qu'il a reçue chez lui, etc. Oui, la balle qu'il a reçue chez lui, son impresario assassiné. Ouais. Pour lui faire comprendre que la prochaine fois, c'est toi qui y passes. C'est toi qui y passe. Hein, on est d'accord. Donc là, c'est pareil. Hein. En voilà deux, de toute façon, il fallait vraiment les faire taire. On a qui aujourd'hui? Qui les a remplacés, ces gens-là? Personne. Il n'y en a aucun. Il y en a qui diront certainement des noms. Ah bah il y en a qui vont peut-être donner des noms, mais il y en a peut-être qui vont dire des noms, mais... Je leur laisse le choix. Moi, pour l'instant, j'en vois pas beaucoup. Moi non plus. Je pense que tout le monde est bien rentré dans le moule, et quand bien même il y en a un qui voudrait un peu s'en écarter, je crois qu'on lui fait vite comprendre que... T'as plutôt intérêt à rentrer dans le rang, hein. Ouais. Alors l'autre jour, j'étais horrifié, je vais quand même le dire, hein. Parce que j'ai envoyé un tweet, il a pas répondu, parce qu'il y a des gens qui répondent jamais. Ainsi qu'à tous ceux qu'on a évoqués, je leur ai écrit à ces gens-là. On leur a quand même écrit. Ils n'ont jamais répondu. Il faut quand même le savoir. L'autre jour, il y avait un hommage à TMC. Et là, j'ai entendu Jacques Attali, dire, parlant de Daniel Balavoine, lorsqu'il est intervenu dans le journal télévisé du 19 mars 1980, il s'est comporté comme un voyou. Jacques Attali a dit ça dans l'hommage de TMC qui a été diffusé récemment. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit non, là, il y a quand même un problème, quoi. Voilà un type serviteur du pouvoir, éminence grise de Mitterrand, qui se permet de dire ça. Daniel Balavoine, ce soir-là, s'est comporté, ce jour-là, c'était midi, s'est comporté comme un voyou. Alors ce que j'ai fait à ce monsieur Attali, évidemment, qui répond jamais, parce qu'on est du petit... On va pas s'intéresser à nous. Attends, on est dans le bas, nous. On est dans le bas. Le bas de la pyramide. Voilà, on est au bas. C'est des gens qui sont au-dessus, c'est des seigneurs, ils se prennent pour Dieu, ces gens-là. J'ai quand même envoyé un tweet en lui disant « Daniel Balavoine s'est comporté comme un voyou, point d'interrogation, cherchez l'erreur. » Et dessous, j'ai mis le lien de mon livre sur Amazon. Livre qui a d'excellents avis sur Amazon. Alors évidemment, il n'a pas répondu.
Enfin, quand même, je veux dire, traiter Daniel Balavoine de comportement de voyou de la part de ces gens-là, c'est odieux, c'est ignoble. Mais c'est sympa en plus. Ils n'ont aucune honte de dire des choses pareilles. En plus, pour l'occasion de son hommage, c'était... Ah oui, à l'occasion de son hommage. À l'occasion de son hommage, c'était... Alors, évidemment, bon... Voilà, alors ces gens-là répondent jamais. Bien entendu, ils ne répondent jamais. On me demande, alors, bon, question qui me paraît évidente quand même, mais on me dit au moment des faits, quel service de quel pays aurait été capable d'organiser cette opération? Ça me semble évident, ce sont les services français. Parce qu'on me demande quel service aurait pu avoir la logistique, on va dire, pour organiser une telle opération. Quel service étranger? Alors on peut penser, donc on a encore un témoin récent, quelqu'un qui a été rencontré, alors quelqu'un qui a participé au Dakar cette année-là, qui a été rencontré par quelqu'un qui est venu à moi récemment, qui est un policier en fait, qui s'intéresse à l'affaire. Mmh. Et il est allé voir ce monsieur évidemment pour lui dire un certain nombre de choses par rapport à l'incohérence de tout ça. Et ce monsieur, alors je ne sais pas son nom, lui a dit cette année-là, il lui a dit comme ça, il y avait beaucoup d'agents de la DGSE sur le Dakar, cette année-là. Il lui dit comme ça, il y avait beaucoup d'agents de la DGSE cette année-là. Alors DGSE, sur le Dakar. C'est Direction Générale des Services Extérieurs, c'est les services de renseignement militaire qui travaillent à l'étranger. Ouais. C'est un concurrent qui le dit. Il était concurrent. Il dit, cette année-là, il y avait beaucoup d'agents de la DGSE sur le circuit, sur le Dakar. Qu'est-ce qu'ils foutaient là, ces gens-là? Alors, est-ce que c'est eux qui ont monté l'opération? Est-ce qu'on a sous-traité cette opération? Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense qu'ils ont dû travailler ensemble, avec évidemment des complicités au niveau de l'organisation du Dakar, c'est évident. Il est évident qu'il y a des gens du Dakar, dans le staff du Dakar, alors Sabine probablement pas, Mais peut-être d'autres autour de lui qui ont probablement, oui, parce que la personne dont je parlais tout à l'heure et dont je ne dirai pas le nom, bon, a fait partie quand même de cette élite. Ouais, d'accord. On est d'accord. Ouais. Voilà, donc ces gens-là, forcément, on leur a fait miroiter voilà, le pouvoir, l'appât, du gain, de l'argent, voilà. Acheter, hein. Certainement, d'acheter leur silence. Acheter, absolument, acheter, acheter. Bon, bah, t'as rien vu, t'as rien entendu. Et... De toute façon, c'est clair, j'ai un souvenir très, très précis de celui qui a participé au sabotage de l'hélicoptère, qui a rendu visite peu de temps après à Mitterrand à l'Élysée. Il a même été interviewé à la sortie de l'Élysée. D'accord. Mais encore une fois, on n'est pas là pour dire des noms. C'est dommage. On n'est pas là pour dire des noms parce que c'est pas comment dire le but de l'au-delà. Le but mais là, de l'au-delà. Tu vas les faire languir, hein, parce que le but de l'au-delà n'est pas la dénonciation. Oui, mais ils vont chercher, ils vont trouver. Cherchez, vous trouverez, sans problème. Donc le but de l'au-delà, en fait, c'est de mettre la pression, mais très fortement. Et c'est ce qu'on fait ce soir. Et je t'en remercie sur la conscience de ces gens-là. Moi, j'ai aucune haine vis-à-vis de ces gens-là. Cette affaire ne me concerne pas. D'ailleurs, c'est ce que tu dis dans le livre. Tu dis que même Daniel t'a expliqué que lui, il voulait quelque part que la vérité, en fait, absolument. Éclate. Absolument. Mais qu'il n'avait pas de haine, il n'y avait pas de vengeance dans sa démarche. Mais il n'y a pas de vengeance. Il n'y a pas de vengeance. C'est pas une histoire de vengeance. C'est pas de la vengeance. Voilà. Mais quand on passe de toute façon dans l'autre monde, dans l'autre vie, on n'est pas là pour se venger. On passe dans un monde qu'on appelle. C'est le monde de l'amour. Donc à partir du moment où on est dans le monde de l'amour, qu'est-ce qu'on souhaite? Ben on souhaite que ceux, alors en l'occurrence ceux qui ont participé à cet assassinat, et des quatre autres, hein, il y en a cinq quand même, hein, ce qu'on souhaite c'est que ces gens-là avouent leur faute, c'est-à-dire se délestent. Et moi je leur donne un conseil, ça c'est ce qu'il dit dans le livre, c'est d'avouer ses fautes avant de partir c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, ce que je peux te dire, c'est que Mitterrand, dans l'autre monde, il est très malheureux. Très mal. Il est très mal pourquoi? Ben parce qu'il ne s'est pas libéré avant. Alors, notre démarche a pour but de l'aider. Il y a un message qui s'appelle la parole des sages et des repentis. C'est d'aider tout le monde. On n'est pas là pour jeter la pierre, on n'est pas là pour juger, on est là pour aider ceux qui sont ici, qui sont concernés par cette histoire, qui ont tout intérêt à avouer leur faute,
pour se libérer de ce poids qu'ils ont sur la conscience tout de même depuis 30 ans. Et je pense qu'ils ne doivent pas bien dormir toutes les nuits. D'accord ? Donc le mieux pour eux serait de se libérer avant de partir de l'autre côté, parce qu'ils iront un jour. Alors, ils disent, ils n'y croient pas. Donc s'ils n'y croient pas, de toute façon, ils vont garder ça jusqu'à leur mort sur leur conscience. Bon, parce que comme eux, ils considèrent que la mort, c'est le néant, on n'aura de compte à rendre à personne. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça, ils le verront. Quand ils iront de l'autre côté, ils se rendront compte qu'ils auraient en effet eu intérêt à libérer leur conscience, parce qu'en fait, ils auront à répondre à eux-mêmes, parce que nous sommes nos propres juges. C'est notre conscience qui nous juge. Elle nous juge ici, mais elle nous juge encore davantage de l'autre côté, parce que le mental n'existe plus. Il n'y a plus de mental, il y a plus de... Voilà, on n'arrive plus à se raisonner en disant, mais de toute façon, je ne parlerai pas. J'ai décidé, je ne peux plus parler maintenant. Je vais garder ça pour moi jusqu'à la fin, je ne parlerai pas, de toute façon, je ne peux plus parler, c'est fini. Donc ça c'est le mental. Un mental fort, effectivement, peut nous empêcher de parler. En général, nous empêche de parler. Hein? C'est-à-dire, on garde quand même ce qu'on a sur la conscience, mais bon, on le domine, on fait comme si ça n'existait pas. Sauf qu'une fois qu'on passe de l'autre côté, c'est fini ça. Ça n'existe plus ça. Là, on se retrouve complètement à poil, hein? C'est le cas de le dire. Hein? Il n'y a plus de mental, il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus rien du tout. Il y a eu une conscience face à ses fautes et à ses erreurs. Et là, c'est lourd. Très lourd à porter. Donc, je leur dis à ces gens-là, parlez. Libérez-vous, vous vous rendrez un grand service. Vous rendrez service à tout le monde, évidemment. Vous rendrez service au mensonge, vous rendrez service à la vérité. Vous assainirez ce mensonge. Mais surtout, vous vous rendrez à vous un grand service, parce que quand vous irez de l'autre côté, au moins vous vous serez libéré de ce poids. Et ce qu'on dit là, c'est vrai pour ces gens-là, mais c'est vrai pour tout le monde. Dire ça, c'est une affaire prétexte. Le but, c'est effectivement de nous faire prendre conscience à nous, humains, ici, encore vivants ici, qu'on a tout intérêt, quelles que soient nos fautes, que ce soit des fautes graves, là il s'agit de fautes très graves, mais de fautes plus légères, qu'on a tout intérêt à s'en libérer avant de partir. Si on a fait du mal à quelqu'un, là aussi on doit demander pardon. Le pardon est libérateur. On doit demander pardon. On doit pardonner, ça c'est très important. Dire tout ça, ça permettra à notre âme d'être bien mieux portante quand elle se retrouvera dans l'autre monde. Voilà la portée spirituelle de l'affaire Balavoine. C'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est pas un règlement de compte. Oui, parce que c'est ça que le message qui t'a délivré... C'est pas du tout un règlement de compte. Voilà, il n'y a aucune vengeance. Ah non. C'est non, vraiment non. Un message absolument. De père, un message d'amour. C'est un message d'amour. Ouais, c'est comme ça que j'ai compris. C'est ça. Et un message de, justement, ce que tu viens d'expliquer, absolument. D'expier sa faute dans le monde des vivants pour ne pas avoir à supporter les conséquences dans le monde des morts. Quoi. Celui, absolument, c'est ça. Celui qui cache ses fautes ne prospérera pas. Ça, c'est la Bible. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Faut avouer à moitié pardonné. On est pardonné par le divin. Dieu nous pardonne à partir du moment où on fait l'effort de se libérer nous-mêmes. Mais on est pardonné, forcément on est pardonné. Moi je vous pardonne pour l'orthographe, moi aussi. Non mais ça c'est tous les soirs. Alors, je crois qu'on me dit, l'animateur, ah, ça c'est intéressant, hein, Cam, il me dit, l'animateur de télévision, Philippe Dieudeleveux, qui fut un agent des services secrets français, a été tué par l'armée française en 1985. Parallèlement, peut-on également soupçonner un membre de l'hélicoptère Thierry Sabine ou autre de ce même état de fait? Il est évident, ça, bon, Philippe Dieudeleveux, on le sait aujourd'hui, c'était un agent des services de renseignement français. Absolument, ça c'est clair. Oui. Il est mort visiblement en opération alors qu'il était sur fleuve Zaïre, fleuve Congo, on l'appelle comme on veut, puisqu'il a été débaptisé. Ouais. Chose aussi inexplicable, pareil, sa famille s'est révoltée pendant des années en disant voilà, mais cette affaire n'a jamais été élucidée, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, on nous a... Son fils a fait une enquête, son fils a réalisé un documentaire. Voilà. Une journaliste qui a fait une véritable enquête, hein, j'en parle, hein, je ne dis pas son nom, mais qui démontre qu'ils ont été torturés et tués. Quoi. Bon, tués, voilà. Alors les deux gouvernements étaient bien d'accord pour que l'opération se termine comme ça.
hein, parce qu'il n'y a eu aucune enquête officielle. Rien du tout. Absolument rien. On est très étonnés. Aucune enquête. Ah mais rien. Non, mais rien. C'est comme si la France, ça ne nous intéresse pas. Non, on s'en fout. Ouais. Non, c'est bon, c'est tout. C'est comme ça, on n'en parle plus. Donc il est mort en opération, visiblement. Mais il est, de toute façon, il n'est pas mort dans les... Il est noyé dans les rapides, du fleuve Zaïre, Congo, comme on nous l'explique souvent. Voilà. Alors, on me dit aussi, Monsieur Pernin, comment avez-vous fait vos découvertes? Vos détracteurs peuvent vous considérer comme atteint de schizophrénie. Que pourriez-vous leur répondre et que pensez-vous de ce trouble? Faire de l'analyse psychologique moi, non plus, mon cher Yagi. Je leur réponds que tout un chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Ouais. S'ils considèrent que je suis schizophrène, ils ont le droit, bien entendu. Hein. Voilà. Maintenant, ce que je leur demande à ceux qui me considèrent comme schizophrène, c'est d'approfondir et faire une enquête officielle. Voilà. Et encore une fois, qu'on arrête de se concentrer sur le messager, mais qu'on prête attention au message. Qu'on prête attention. Arrêtons de savoir si le messager préfère le pain, il se couche à 3h du matin, ou s'il aime ceci, il aime s'habiller comme ça. Absolument. C'est le message qui nous rapporte. Qu'est-ce qu'on a à dire sur le message? Voilà. Après, moi, les détracteurs, ils viennent pas à moi. Il y a suffisamment d'éléments. Si je veux bien que plein de gens considèrent les messages que de l'au-delà comme étant fantaisie. Voilà, c'est ça le sauf que, c'est exactement ça. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui contactent des médiums, qui reçoivent eux-mêmes des messages, qui ont des signes de leurs défunts, etc., etc. Ils n'en parlent pas parce que dès qu'on parle de ça, on passe pour un dérangé cérébral, pour un illuminé dans le mauvais sens du terme. Donc moi, quand on me prenne pour un illuminé malade mental, j'en ai rien à foutre, excusez-moi de le dire, comme ça. Je m'en fous royalement. Je ne suis pas là pour plaire, moi. Je ne suis pas là pour plaire, je ne suis pas là pour déplaire non plus. Ceux qui me croiront et qui entreront maintenant dans cette démarche pour œuvrer justement à la vérité, c'est très bien. Ceux qui considèrent que tout ça, ce sont des conneries, je leur demande d'approfondir un peu tout ça, de ne pas s'attarder sur les messages, de s'attarder sur les faits concrets. Et on en a énuméré un certain nombre ce soir. Et puis après, on parlera. Après, on parle. Et d'ailleurs, moi, ce que je voudrais préciser par rapport à ton livre, c'est que les droits... Tu peux expliquer un peu ce qui se passe par rapport aux droits d'auteur. Alors, les droits d'auteur, voilà. Donc, les droits d'auteur de ce livre, donc c'est noté dans le livre, d'ailleurs. Oui. Les droits d'auteur de ce livre seront... directement versé par mon éditrice Louise Courteau, qui est une éditrice québécoise, à l'association Daniel Balavoine. Les choses soient dites. Voilà, les choses sont claires. Ce n'est pas un enrichissement personnel de cette affaire. Mais il faut le préciser, parce que surtout c'est un argument qu'on pourra t'objecter en disant oui, mais bon, il fait de l'argent sur Balavoine. Évidemment. Il est venu vendre sa soupe, etc. Il est venu vendre sa soupe. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'il y a des membres très proches de Daniel Balavoine qui sont parfaitement au courant de tout ça. Et qui ont même, je dirais pas qui, eu ce livre dédicacé. Voilà. D'accord ? Bon, pour l'instant, ces personnes-là ne sont pas entrées, comme on dit, dans la danse, mais j'ai bon espoir qu'elles y entrent un jour. Bon, ces gens-là, qui sont des intimes, des proches, très proches de Daniel Balavoine, ne m'ont jamais traité de fou, d'illuminé, prennent tout ça très au sérieux. D'accord. Donc ça aussi, c'est pour faire taire les détracteurs qui diront « Et la famille ?» Eh bien, la famille... Ah, voilà, ceux qui voudraient te dire « Mais il insulte la famille, voilà, mais il manque de respect à la famille d'Alavoine, il est... » Non, parce qu'on peut entendre... Absolument, mais j'ai déjà entendu tout ça. J'ai déjà entendu ça, sauf que je leur dis « la famille, l'Alavoine, voilà. » D'accord. Ok. Bon, ben voilà, c'est tout. Moi, maintenant, que certaines choses soient claires. C'est une enquête. Ouais. Parce que j'ai lu, moi aussi, effectivement... Mais bien entendu qui mais disent, ça, ça, oui, mais des messages de l'au-delà, alors ça veut dire quoi? Moi, je ne crois pas, je ne suis pas... Voilà, et des gens vont me dire, mais moi, je ne suis pas catholique, je ne suis pas... Non, mais c'est même pas une question de religion, les messages de l'au-delà. Voilà. Dire quelqu'un qui n'est pas du tout religieux peut avoir des contacts avec quelqu'un de sa famille décédé. C'est pas une histoire de religion. C'est pas parce que j'ai parlé de Jésus, on peut parler de quelqu'un d'autre. On peut parler de n'importe qui. Mais c'est tout, je veux dire, c'est pas une question de religion, ça. Un athée absolu peut à un moment donné recevoir des messages de son père, de son frère, de son fils, ou des signes très concrets de sa part. C'est pas une histoire de religion, ça n'a rien à voir. Moi, je ne suis pas du tout religieux, je ne suis pas du tout embarqué dans cette démarche religieuse.
D'accord. Bah, pas un pratiquant. Hein. Au moins que certaines choses soient claires. Alors, on me dit, le journaliste sportif Jean-Luc Roy échappe à la mort en cédant sa place au dernier moment au chanteur Daniel Balavoine dans l'hélicoptère de Thierry Sabine. Suite à cela, votre hypothèse est-elle toujours plausible? Bah, ça, tu l'as expliqué. Bah, oui, il n'y a pas que lui, d'ailleurs, qui a cédé sa place. Il n'y a pas que lui qui aurait cédé. Il n'y a pas que lui. Il y en a au moins quatre. Il y en a au moins quatre ou cinq qui ont cédé leur place. Voilà. Alors, on me dit, si Thierry Sabine rédigeait son testament un mois avant, cela impliquait-il qu'il était prévu que Daniel Balavoine découvre ce trafic d'armes, éventuellement ce qu'il aurait refusé de s'impliquer dans ce crime et qu'il a payé pour cela, ou est-ce que j'ai rien compris? Ça, c'est dur à savoir, effectivement. Ça on ne sait pas. C'est très difficile. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que Thierry Sabine, enfin, quand on écoute le témoignage de son père, oui. Bon, déjà, il avait déclaré que c'était son dernier Dakar. Quand on écoute ce témoignage du père qui dit que ça l'a bouleversé quand il a appris son fils, un mois avant, avait rédigé son testament, ça l'a bouleversé. Et ce qui l'a encore plus bouleversé, c'est ce coup de fil qu'il a eu. On se demande bien ce qu'il lui a dit. Dans l'après-midi du 13, où là, il était très mal après ce coup de fil. Et là, il ne le sentait pas. Et il s'est passé quelque chose ce 13. Il s'est vraiment passé quelque chose ce 13 après-midi du 13. Il a dû avoir des menaces, c'est pas possible. Probablement. Qu'il appelle son père, probablement. Que son père dise non, il est mal. Il s'est senti peut-être en perdition. En tout cas, il était très mal. C'est clair, il y a quelque chose. Alors quoi? Ça, j'en sais rien. Est-ce que, bon, il a subi des pressions du pouvoir, ce trafic d'armes? Est-ce que ça a mal passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que Daniel Balavoine dit, écoute, je vais dénoncer ton trafic? Est-ce que. Bon, il y a tout ça, quoi. Okay. Mais ça reste des questions, on n'a pas les réponses. On n'a pas les réponses. Alors, je vais enchaîner, je vais finir vite fait avec toutes les questions. On me dit, depuis la sortie de son bouquin, a déjà échangé ou débattu avec ceux qui soutenaient la thèse officielle. Oui, c'est vrai, ça. Est-ce que tu as déjà rencontré donc des gens qui soutiennent mordicus la thèse officielle? Ah, mais non, mais ils ne viennent pas au débat. Ils ne viennent pas au débat. Mais comment veux-tu qu'ils viennent au débat? Dire-moi, je veux bien débattre avec M. Belvez et avec M. Giraud. Mais tu vas leur soulever des incohérences. J'ai même pas à débattre avec eux. Je veux dire, Monsieur Belvez, on écoute votre témoignage. Monsieur Giraud, on écoute votre témoignage. Il y a un problème. J'ai même pas à débattre. C'est eux qui débattent entre eux. On est bien d'accord. Alors. Et ils débattent entre eux. Moi, j'ai pas à débattre avec ces gens-là. De toute façon, ils viennent pas, ils répondent pas aux messages qu'on leur envoie. Alors, on me dit aussi, est-ce que les enfants de Daniel vont se décider à faire ouvrir l'enquête officiellement? Ah, ça, c'est pas exclu. Ça, c'est pas du tout exclu. Ça, c'est... dire, ils sont forcément au courant. Hein. Dire, ça a fait suffisamment de bruit et de battage. Oui, qu'il faut qu'ils sont forcément au courant. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça, j'en sais rien, je l'ignore. Moi, de toute façon, je mets une pression sur personne. Hein. Ça ne m'appartient pas, je veux dire, c'est pas ma famille. Mais quand même, si j'étais dans la famille Balavoine, là, ça m'interroge quand même. Si j'étais dans la famille Balavoine et que j'apprenne que quelqu'un a fait une démarche par rapport à la mort de mon père ou de mon frère, qui publie un bouquin, je lis ce bouquin, j'apprends quand même dans ce bouquin qu'il y a quand même des éléments troublants, c'est-à-dire que l'accident est remis en question. Qu'est-ce que je fais quand même? Si je suis directement concerné, je me rapproche de cette personne en lui disant, écoutez, franchement, ça m'interpelle ce que vous avez écrit là, toutes vos recherches m'interpellent. Dire c'est mon frère, mon père, ça m'intéresse, je vais vous aider. Et pour le moment, c'est silence radio là-dessus, enfin pas complètement, mais quand même. Dire il y a rien officiellement qui pas le dire aujourd'hui. Ils sont pas venus à moi pour me dire voilà si vous avez fait ce travail. Oui, on est quand même intrigué par tout ça. Voilà, on pourrait, comme tu dis, demander l'ouverture d'une enquête officielle. Mais pour le moment, non, on n'en est pas là. Alors, peut-être que ça va venir. Hein. Le but de ce livre, d'ailleurs, c'est bien ça. Hein. C'est de faire ramener bouger. Des éléments pour faire bouger quand même. J'ai été en contact téléphonique avec M. Bagnou, ouais. Le père du pilote. Avec la mère du pilote, j'ai jamais pu avoir un contact, mais avec lui, j'ai eu des contacts. Lui, il est complètement au courant de toute ma démarche, Monsieur Bagnou. Monsieur Bagnou, qui à l'époque avait des doutes, Monsieur Bagnou. D'ailleurs, Monsieur Bagnou, on ne l'a jamais entendu dans aucun témoignage. Je veux dire, tous ceux qui viennent témoigner, c'est tous ceux de la version officielle. À partir du moment où Bruno Bagnou a dit « c'était pas mon fils qui pilotait », voilà.
Lui, on aurait pu le faire parler. Ah, lui, il faut faire taire, lui. Attends, et en plus, il parle de traces de balles, je sais pas quoi. Oula, faut le faire taire, lui. Et de ce jour-là, on n'en a plus entendu parler. On n'en a plus entendu parler, d'accord. Donc, voilà. Hein, il suffit de comprendre, d'essayer de comprendre. Alors, allez, les dernières questions, je les prends les dernières. On me dit, avez-vous obtenu d'autres informations secrètes via le spiritisme? Oui, est-ce que... ils veulent tout savoir. Ils ne payent rien, mais ils veulent tout savoir. Voilà. Donc, on t'a insulté pour avoir dit ça. Et si ça se trouve, celui qui pose la question, il ne croit pas à ça. C'est possible. Enfin, j'espère que si. J'ai des informations, comme vous dites, par le spiritisme, qui ne sont pas dans le livre. D'accord. Eh bien, comme ça, les choses sont dites. Mais je n'en parlerai pas. Ça va aller chez tout le monde. Il s'agit en particulier de ceux qui sont directement concernés. Mais bon, comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour faire de la délation ou de la dénonciation. Donc effectivement, j'ai des informations très claires par rapport à ça. D'accord. On me dit, utilisez-vous seulement un pendule et l'écriture automatique pour vos communications avec l'outre-monde ou bien la méthode John Dee avec le miroir noir et la boule de cristal? Non, pas de boule de cristal. C'est Madame Irma, voilà. Pas de boule de cristal, pas d'écriture automatique non plus. Ouais. J'en ai fait un peu au début où mon fils me tenait vraiment la main. Ça, c'est dans le livre précédent qui s'appelle le premier que j'ai écrit, Passeport pour l'au-delà. Non, mon pendule est une espèce de... Comment dire? Alors, j'utilise aussi un alphabet qui m'aide beaucoup, mais le pendule est une espèce d'antenne télépathique. C'est incompréhensible, c'est invraisemblable, mais ça fonctionne. C'est tout ce que je peux en dire. Ok. Voilà. Et je pratique pas ça à longueur de journée, j'en fais pas mon métier, et sûrement pas. Et de toute façon, tout ce que je fais, c'est gratuit. D'accord. Dans tous les domaines. Au moins, bah, dans ça, tous les domaines. Voilà, on pourra pas t'accuser, effectivement. Absolument, non. D'aller t'enrichir sur le cadavre de Daniel Balavoine. Il peut pas être question de ça. Comme certains ont dû vouloir te l'objecter. Ce serait ignoble, ce serait un affront, d'ailleurs. Eh ben, on est arrivé à la fin de l'émission. On n'a pas répondu à toutes les questions. Ah non, on ne pourra pas, de toute façon, il y a trop de questions. Et puis, il y en a plein auxquelles tu as déjà répondu, en fait. Tu sais, je suis en train de regarder. Ah d'accord, oui. Mais voilà, il y a une dernière à la limite. Elle est une question un peu technique. On me dit, mais comment l'hélico a pu redécoller la deuxième fois sans rotor arrière? Non. Il a forcément redécollé qu'un rotor arrière. Simplement l'explosif n'a pas brisé l'axe. Il n'était pas assez important pour briser. Il n'a pas brisé l'axe du rotor de queue que vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Il l'a peut-être un peu endommagé, il l'a peut-être... Bon, je ne sais pas. Hein, voilà, c'est comme un cardan de bagnole qui peut être un moment endommagé, mais on peut encore continuer de rouler quand même avec. Hein. Voilà, puis à un moment donné, ça craque, ça casse. Et là, on s'arrête. Bon, là, on peut imaginer que... C'est un peu de cet ordre-là, quoi. D'accord. Voilà, on peut l'imaginer. On a répondu à la question, au moins, ma chère Natalia. Merci beaucoup, Jean. Si tu veux ajouter quelque chose, vas-y. Ajouter donc les droits d'auteur, tu en as parlé. La médiatisation est importante. On va largement maintenant dépasser les 320 000 vues sur les principales vidéos de l'affaire. Ouais. C'est considérable. Je voudrais dire qu'il y a une pétition qui a été lancée à l'initiative des lecteurs de ce livre. Pétition donc à l'adresse du garde des Sceaux, bien sûr, pour demander l'ouverture d'une instruction, d'une information judiciaire par rapport à cette affaire. Donc cette pétition est signable, on peut la sur signer. Change.org, on peut la signer, donc pétition, Daniel Balavoine, meurtre déguisé, vous la trouverez facilement. Ce que je voulais dire, c'est remercier bien sûr tous ceux qui ont regardé ce soir, qui ont écouté, qui sont nombreux, intervenus dans les questions. J'ai pas forcément répondu à tout. J'ai une adresse internet que vous trouverez facilement, puisque j'ai un site internet. Il y a une page quand même assez documentée sur l'affaire Balavoine. Donc vous pourrez m'écrire. Personnellement, je réponds à tout le monde. Il n'y a aucun problème. Si vous apportez des éléments complémentaires, vous serez les bienvenus aussi. Ce que je voulais dire, c'est que demain soir à 19h30... Ce soir, à 19h30, je donne une conférence à l'espace Lancelot dans le 11e arrondissement. Conférence organisée à l'initiative de l'association KSEB, dont une grosse partie venant des recettes ira à l'association Daniel Balavoine. Et tu vas parler évidemment de ton... Et nous allons reparler de cette affaire, évidemment, avec un visuel, avec toutes les vidéos, avec tout ce qu'on a dit ce soir, mais peut-être...
plus de choses. Ceux qui veulent avoir un surplus d'informations et qui nous regardent ce soir, vous pouvez aller demain, donc à l'espace Mancelot dans le 11e arrondissement. C'est pas la rue, non, c'est pas la rue, la rue. Vous googlisez. Ils cherchent bien des conneries sur internet, ils arrivent à les trouver. Non, pour retrouver la rue. La rue, de toute façon, il y a l'annonce sur mon site, à la page conférence ou sur. Sur mon compte Twitter, donc vous trouverez facilement les informations concernant cette conférence. D'accord, bah écoutez, conférence demain. Merci beaucoup Jean, je rappelle donc le livre Daniel Balavoine, Meurtre déguisé. Daniel Balavoine, bah en tout cas un chanteur qu'on apprécie beaucoup, qu'en tout cas que... Voilà, comme on expliquait au début de cette émission, un chanteur transgénérationnel dont le message risque encore de connaître une portée pendant longtemps et encore longtemps avec des chansons extraordinaires. Et on vous a préparé de toute façon un petit cocktail balavoinien de ses meilleurs tubes, de ses meilleures chansons, hein, qui va peut-être pas nous rajeunir pour ceux qui ont un peu plus de 20 ans et qui vont regarder ces images. En tout cas, merci à vous, merci aux modérateurs, tous sur le chat, merci à la régie, bien sûr, Steph toujours au taquet, merci à tous les métanautes, merci Jean d'avoir merci été Patrick, avec nous merci ce vraiment, soir. Merci vraiment de m'avoir invité pour ce témoignage très important. Merci. Eh ben pour nous, c'est un plaisir. C'est et quelque part, on a réalisé ce qui était indiqué dans ce livre, puisque Daniel Balavoine lui-même t'a demandé de. On va dire de médiatiser son absolument, affaire. Absolument. Et je crois bien, c'est marrant parce qu'à un moment, il te dit en plus, il faut que tu ailles pas dans les grands médias. En gros, il te dit, il faut que tu ailles voir les gens motivés pour parler de ça. Absolument. Donc il y avait une mystique à ce que tu viennes ici ce soir. Absolument, et ça, absolument. Et merci, c'est formidable. Non, parce que les grands médias, de toute façon, sont des porteurs. Dire ce sont des gens qui vont à la soupe, quoi. Hein. Voilà. Dire tous les grands médias, journaux, radio, télévision, voilà. Donc ce sont pas ces gens-là qui vont parler de l'affaire Balavoine. En tout cas, pas maintenant. Pas maintenant. Mais ils en parleront. Et on aura encore été les premiers sur ils l'affaire, décidément. Absolument, absolument. Que faire, il va falloir nous donner des subventions publiques bientôt. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous ceux qui nous regardent. Merci aux modérateurs, merci à tous, merci la régie. Merci Patrick, Jean. Merci. Et encore une fois, vous le savez très bien, c'est le week-end. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission encore. Mais en attendant, vous écoutez ce message, c'est que forcément, vous êtes la résistance. Ciao tout le monde.